Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais nickel. On se retrouve vers une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une nouvelle vidéo assez spéciale, de toute façon. Hein, vous l'avez vu. De toute façon, ben voilà, tout simplement, c'est ma première vidéo vers l'année 2023. Donc, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite meilleurs voeux. Et aussi bonne année, bonne santé. J'espère cette année, ben, elle va porter ses fruits entre vous, parce que on va dire l'année précédente et l'année encore précédente, ben, ça n'a pas exactement porté un petit peu ses fruits parce que c'était une année assez catastrophe par rapport au Covid, par rapport vers les soucis, par rapport voilà. J'espère cette année, ça va être mieux par rapport à tout ça et j'espère que voilà, ça va aller mieux. Donc voilà, je vous souhaite bonne année, bonne santé et j'espère que vous, votre entourage, il se passe le mieux. Donc les amis, avant de commencer la vidéo, vous connaissez le petit train-train, voilà la petite routine, et puis voilà. Et aussi, si vous m'entendez un petit peu tousser, pardon, et si vous m'entendez la voix assez bizarre, parce que voilà, tout simplement, parce que je suis malade, donc c'est quand même assez compliqué, voilà. Ça commence déjà, ça commence déjà. Début d'année, je suis malade, tranquille. Donc voilà, et puis c'est parti pour la vidéo. Alors, donc les amis, les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes projets, je vais vous parler l'explication pourquoi j'ai pas fait trop de vidéos sur ma chaîne, et aussi, est-ce que je vais vraiment tout changer de la chaîne. Donc voilà, bah, tout simplement, c'est mes projets. Voilà. Donc, je vais vous parler déjà le premier sujet qui me tient quand même assez à cœur, vraiment à cœur là, je vous parle. C'est par rapport, tout simplement, hein, je vais vous faire montrer. Voilà, bon. Alors, je vais pas chercher midi 14h, aller sur Populaire, et voilà. Les épisodes de Nicky Larson. Alors, il y a beaucoup, je vois encore à ce jour, il y a beaucoup de personnes qui disent. Nicky Larson et Vermanga, pourquoi tu repostes plus comme avant les épisodes? On en veut encore, ça se retire, tu sais plus les reposter. Malheureusement, c'est non. Ça va être non de chez non. Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, hein, vous connaissez ma situation, vous connaissez, bah, mon cher ami YouTube, que c'est pas totalement mon avis. Alors, donc, il me met des strikes, des petits avertissements, dire. Si vous tirez c'est pas cette vidéo, ben vous allez avoir un strike, voilà, des trucs comme ça. Donc voilà, si vous connaissez pas les strikes, ben c'est des gros avertissements. Premier avertissement, ben il vous tire votre vidéo et vous avez juste un petit avertissement. Deuxième avertissement, là il vous tire une vidéo et après là vous pouvez plus poster de vidéos plus d'une semaine. Et le troisième avertissement, ben tout simplement votre chaîne elle saute. Votre chaîne allait supprimer tout simplement, donc par YouTube. Donc voilà, et moi j'étais à deux avertissements, et là j'étais vraiment calmé. Là, c'est quand j'ai eu mes deux avertissements, j'ai dit oh là, faut que je me calme. Et c'est là que j'ai pu faire de grosses conneries, comme on dit. Et puis voilà, donc ça va être jamais que je vais reposter les épisodes de Nicky Larson. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je suis impuissant par rapport à ça. Donc voili voilou. Et maintenant et aussi vous allez dire ouais mais Nicky Larson et Fermanga, comment tu postes les films Nicky Larson et sans droit d'auteur, sans rien, et voilà, bah tout simplement bah j'ai les droits. Voilà, j'ai les droits, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai les droits. Voilà. J'ai les droits pour les films et j'ai pas les droits pour les épisodes. C'est bizarre mais voilà. Ça, c'est un grand mystère. Donc, les amis, voilà, par rapport à ça, j'ai conclu par rapport à cette affaire. Maintenant, je vais vous parler pourquoi j'ai pas fait pas beaucoup de vidéos vers l'année précédente, l'année 2022. On peut constater, hein, je peux pas mentir, je peux pas dire, ouais, j'ai posté plein de vidéos, ceci, si, cela. Non, je peux pas mentir, ça se voit, l'œil, il ne ment pas. Regarde, il y a 7 jours, 3 semaines, 1 mois, etc., etc. Et voilà, c'est quand même assez catastrophe, parce que j'ai pas fait pas beaucoup de vidéos l'année 2022. Et je vais vous dire pourquoi.
Bah tout simplement, clair et net, droit au but, voilà. Ben j'avais pas d'idée. Voilà. J'avais pas d'idée parce que vers le sens, déjà, j'étais au pied du mur, déjà par rapport aux épisodes de Nicky Larson. Vous savez, il y avait des droits d'auteur, tout et tout, donc je pouvais plus poster ça. Et par rapport aussi, vous allez dire, ouais, mais essaye de faire un nouveau truc, faire des tops par rapport à Nicky Larson, quel est, et les meilleurs films Nicky Larson. Ouais, je pouvais faire ça, la longueur, oui, mais après ça, il y a quoi comme idée? Y a rien, y a zéro, que dalle, que ti. Et en plus, faut plaire aussi à la communauté aussi, parce que moi, quand je fais une vidéo, ça me fait plaisir à moi et à vous. J'essaye à vous faire plaisir à moi et à vous. Donc 50-50. Donc 50% moi et 50% vous. Donc ça fait au total 100%. Donc voilà, j'essaye faire la part des choses, mais à des fois c'est très difficile et c'est pas décourageant, mais ces questions c'est j'y réfléchis pour essayer d'avoir des nouveaux contenus. Comme ici, hein, comme ici, c'était au moment que j'avais fini de poster les films, ben j'étais au pied du mur parce que je me disais qu'est-ce que je vais faire. Là, j'avais fait Bonne Année, mon retour sur YouTube. Plusieurs fois, j'ai fait mon retour sur YouTube. Vous allez dire pourquoi? Bah, pour la cause, j'avais pas d'idée, j'avais rien du tout. C'est normal que j'avais stagné, j'avais plus rien dire. Et là, j'avais pourquoi la cause, pourquoi je ne pose pas les autres films Nicky Larson, City Hunter, si vous voulez. Ben voilà. Après, là, c'est au moment j'avais posté les petites chansons de Nicky Larson. Parce que vous allez dire, ouais, mais c'est des droits d'auteur, Nicky Larson fait un manga. Oui, mais t'as moins de risques avoir des gros soucis par rapport à les openings, les musiques. Que vers les épisodes Nicky Larson. Là, c'est beaucoup plus grave. Donc, j'avais posté des petites séquences et tout. Là, j'avais encore d'idées parce que j'ai tout posté les séquences. J'ai dit, tiens, on va faire vraiment un truc autre part, par rapport à ça que j'ai fait par avant. On va faire City Hunter, Rebirth, tome 1 et faire. C'était bien, mais. Allez, il y avait certains jeux que ça plaisait, mais. Moi, ça me plaisait pas trop, donc j'ai arrêté. Et c'est là que j'avais fait un petit sondage. Est-ce que je change de contenu? Je fais du City Hunter encore, mais est-ce que je fais autre chose vers du City Hunter? Vous avez dit oui, mais c'est, on va dire, c'était un petit peu catastrophique. Ça, on va parler ça un petit peu, plus tard vers la vidéo. Excusez-moi. Là, j'avais fait un animé. Cet anime, il est sous côté Mereven. Ça, on va parler. Plus tard vers la vidéo, là je suis dégoûté, j'avais expliqué, et là c'est là que j'ai fait des grosses news, là j'ai fait les quiz pour changer, et c'est là que j'ai fait des petites séquences pour plaire aux gens, pour remémorer cette gentleur, et puis voilà. Et puis voilà, donc spécialement, voilà, je vous ai dit pourquoi j'avais pas fait pas beaucoup de vidéos vers l'année 2022, parce que j'étais encore d'idées, j'avais plus rien, et puis voilà. Maintenant, mes projets de l'année 2023. Or là, c'est vraiment, il va y avoir pour moi du lourd. Parce que moi, j'ai décidé vraiment, c'est officiel. Parce que par avant, c'est vrai, j'avais dit ça. Parce que vous allez dire, ouais, mais Nickel Arsenal fait un manga, t'avais dit ça deux, trois fois et ça a pas fait tout et tout. Moi, je vais vous dire aussi pourquoi la cause. Déjà, premièrement, mes projets de ma chaîne YouTube, il va y avoir plusieurs animés qui va sortir. Vous allez dire de quoi? Bah plusieurs animés, il va y avoir plusieurs présentations d'animés. Ça peut être de tout n'importe quoi. Ça peut être nouvelle génération et ancienne génération. Rétro, si vous voulez. Donc ça peut être un exemple. Là demain je poste du Cobra. Dire les est-ce que je vous conseille cet anime, tout et tout. Et peut-être après-demain, je vous poste un animé de 2023, là maintenant. Et puis voilà. On va dire que je vais poster des nouveaux animes en vidéo et des anciens animés, donc rétro, années 87 et 90. Donc voilà, faire la part des choses entre les deux. Ça peut être sympa. Et vous allez dire, ouais, mais poster les épisodes. Non, ça va pas être les épisodes. Ça va être peut-être.
à vous dire qu'est-ce que j'en pense à cet anime. Voilà, moi je moi attention, je sais, vous allez dire, ouais, mais il y a déjà des youtubeurs qui ont déjà fait des sujets, cet anime, il est bien. Non, moi je veux pas les, moi je veux pas faire comme les youtubeurs que vraiment que qui disent vraiment cet anime il est bien, il y a des épisodes moins bien, tout, tout. Non, moi je vais aller au droit au but. Moi je veux vous dire, cet anime il est vraiment cool. Il y a juste deux trois choses que c'est inconvénient, mais c'est bien, c'est chill, c'est calme. Voilà, moi je vais aller au droit au but parce que moi je vois, il y a des youtubeurs, des fois ils tournent autour du pot. Je les traite pas, je les lance pas des coups de pique, mais quand je les vois, les youtubeurs, moi je me dis, bah si, moi je vais aller au droit au but si je fais ça, tout et tout. Bien sûr, je vais bien expliquer, hein, ça c'est sûr, mais je vais aller au droit au but, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, moi donc vers le futur dans ma chaîne YouTube, donc maintenant l'année 2023, je vais faire ça vers un contenu d'anime, animé et manga, mais comme je l'ai dit, années des rétros, donc les années 80 et 90. Et ça se pourrait, on va dire, voilà, ça va être les années aussi, là maintenant, nouvelle génération, donc 2022, 2023. Donc voilà. Donc aussi, les amis, vous allez dire pourquoi tu changes pas de contenu, tout et tout, à part les animes et mangas, parce que c'est un contenu que j'adore énormément. Je préfère, je préfère les contenus animés et mangas que les jeux vidéo. Après aussi, il y a un truc aussi par rapport, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, mais par avant, tu voulais changer de contenu aussi, et tout seul coup, t'es revenu sur Nicky Larson. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'assume, et aussi, je présente mes excuses, parce que c'est vrai que j'avais dit que normalement, j'allais faire des autres animes. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui plaisaient énormément, j'ai dit, bon, je vais revenir sur cette chanteur. Là, cette fois-ci, là, c'est sûr, je vais faire que des contenus animés, manga. Bien sûr, je vais garder toujours Nicky Larson. Ça, c'est sûr. Ça, faut pas le souligner. Je vais garder toujours cette chanteur parce que c'est un pilier de ma chaîne. Et puis voilà. Il y a juste un truc que je vais changer ma chaîne. Peut-être c'est manga. Peut-être je vais laisser Nicky Larson et faire, mais je vais tirer le manga. Donc voilà. Donc voilà, peut-être je vais le garder ou peut-être pas le garder. Je vais voir ça vers le futur. Mais voilà. Donc c'est officiel. Les prochaines vidéos, ça va être des animes. Les nouveaux animés. Ou soit des animes rétro, années 80, 90. Et puis voilà. Voilà, j'espère cette on va dire longue vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le petit train. Surtout, vraiment, pour moi, le plus important que les likes, c'est dites-moi en commentaire par rapport à mon projet, qu'est-ce que je vais aller faire, est-ce que ça vous plaise ou pas. Mais de toute façon, moi, je vais faire ça parce que j'ai envie que la chaîne à revivre et revivre. Et puis voilà. Et nous, on va se retrouver très vite vers une prochaine vidéo. Allez, sur ce, c'était Nickel Arsenifer Moka. Allez, bye bye.